Et salut à tous les amis, c'est Freddy, on se retrouve pour un deuxième épisode de Crysis. Deuxième qui sera certainement le dernier puisque je me retrouve face à la grosse bestiole, donc là je reprends vraiment là où j'en étais vraiment la dernière fois. Et je me retrouve face à une grosse bestiole que je sais pas du tout comment je vais faire pour la tuer et je crois que c'est la fin du jeu. Donc on va essayer d'y arriver. J'espère du moins que c'est la fin du jeu. J'ai une arme depuis tout à l'heure, je peux pas me servir. Ah. L'artillerie lourde. Nomade, dégommez ces canons. Dégommer les canons, d'accord. Il doit y avoir un bouclier. Psycho, rapprochez-nous. Nomade, je vais envoyer un signal avec votre combinaison. On se fait tirer dessus, je peux pas m'approcher de ce truc. Bah Nomade, oui, je sais bien. Descendez ces tourelles pour qu'on puisse s'approcher. Je m'en charge. On a des lance-roquettes à l'infini. Ça c'est bien, ça c'est bien. Faut que je tire où maintenant? Allez hop. C'est bon. Ok Psycho, approchez-vous autant que possible. Ouais, je sauvegarde en même temps que je joue comme ça. Ah, et moi donc. Donc là on lui envoie une petite. Très bien, stabilisé. Nomade, stand by. Il est où mon fils? Il est où mon fils? Je crois que ça marche. Nomade, il en sort de partout. Éloignez-les. Oula, j'ai pas compris trop ce qui s'est passé. Oula. T'arrêtes de me. J'attends ça. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Super, un au moins. D'accord, en un coup on tire son bras. S'il est si simple que ça, le boss de fin. Je m'attaque au deuxième tout de suite. Ah oui, bah dépêche-toi hein, parce que je suis un petit peu à l'air libre. Hein. Encore ces saloperies, couvrez-nous le mat. Oula. J'ai un gros rayon devant les yeux. Non, non, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Mais arrête de me geler. Ils m'ont pris pourquoi? Bon, le second toi. Bouclier et HS. Continuez comme ça, pulvérisez ce canon. Allez-y avec le canon THC. Joli, super tir. Alors, partie sauvegardée, pile au bon moment, je trouve. Comment je fais, moi, maintenant? Oh, je sais comment je fais. On se refait une partie ensemble, chargé. Super, un au moins. Ok. Bon, on essaie de pas mourir cette fois. Je vais continuer de me planquer un petit peu là derrière. Alors, je m'attaque au deuxième tout de suite. Normalement, il y a des bestioles qui arrivent. Encore de ces saloperies, couvrez-nous la balle. Des fois, je tire moins bien. Bah attends, je m'occupe d'abord de ce machin là. Allez-y avec le canon THC. Joli, super tir. Hop là.
sert à rien, mais c'est parce que je voulais un nouveau. On va faire F5. Ouh. Oh merde! Accrochez-vous! Les gars, ça... Nomad, ce maudit truc va nous avoir! Éliminez-le! Je déteste ces petites bestioles. Franchement, je préfère battre les grosses que les petites. Parce que les petites, elles sont vraiment, vraiment très complexes à battre. Je crois qu'il faut attendre que... Il y a une trappe en dessous. Essayez de l'ouvrir et de lancer un missile à l'intérieur. Ouais, écoutez la demoiselle. Nomad, ouvrez la trappe qui est en dessous. Ouais bah... je parle plus parce que je suis concentré et il va me... Et j'ai plus de munitions là-dessus. Ouch! Toi tu dégages, je t'ai dit. Mais je l'ouvre comment cette trappe à la noix? Je vais aller choper ça, ce sera plus simple. Tac. Nomad, ouvrez la trappe qui est en dessous! Écoute, c'est ta trappe que je vais ouvrir si tu continues. Ça rame en plus, je sais pas ce qui se passe. Et j'arrive plus à viser, je ne sais plus parler, je suis terrifié par le... Même pas terrifié, non. Ouvrez la trappe, Nomad, mais... vite. Mais j'ouvre comment ta trappe? T'es bien drôle, toi, mais... Pas le temps de recharger cette arme. Mais j'avais pas compris, tu t'arrêtes pas de me le répéter, je suis pas... Je suis pas con non plus. Allez, ouvre là, t'attrape. Ouvrez la trappe, Nomad, vite! Ok, la trappe est ouverte. D'accord, fallait l'ouvrir à la main. Ouais, enfin, je suis en train de mourir là, un petit peu. Donc avant de la pulvériser, on va se débarrasser de ça. Et le deuxième. Tiens. Ah. On ne se laisse pas déconcentrer et on y va. Da-da-da-da. Ouais! Je sauvegarde quand même. Il va mordre la poussière, Nomad! Continuez! Ah oui, parce que j'ai pas fini? Ah non, faut que je monte dans la DAV, d'accord. Je n'ai jamais fini le jeu. Hein. Parce qu'à l'époque où j'y jouais, il y avait le gros bug de fin. Ah, ils sont sympas, ils me disent de monter dans la DAV, mais ils le font poser à l'autre bout. Plus vite! Je suis à la vitesse maximale, hein. Tu me mérites. Allez, vous pouvez... Allez, montez, allez, vous pouvez le faire. Alors c'est ça qui est un peu énervant dans le jeu, c'est que des fois ils te prennent pour un abruti. C'est que t'as l'impression qu'ils ont pas... que t'as pas compris ce qu'il faut que tu fasses et du coup tu répètes. Allez psycho, allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Et donc là, pour vous dire, c'est quelques 40 minutes de jeu que j'ai passé avec vous, c'est en fait les plus intéressantes de l'histoire. Car avant, il ne se passe strictement rien.
C'est un peu dommage d'ailleurs comme truc, parce que enfin comme principe, parce que tout le début est assez long et assez répétitif, et le moment le plus intéressant c'est vers la fin sur le porte-avions et tout ça. Bah, elle est glandulaire ou quoi? Non, c'est toi qui dois t'accrocher à moi, sinon tu vas crever. Faites-moi entrer! Waouh! À votre avis, est-ce qu'on sera encore embêté par les aliens ou pas? Oh mon dieu! Que se passe-t-il? Donc voilà, comme ça j'ai fait la fin du 1 avec vous. Et dès que je peux, je me mets au 2. Avec la petite musique. D'ailleurs, je me suis pas mis en occupé sur Skype et j'ai peur qu'on vienne me parler. Donc je peux pas faire ça discrètement parce que ça met le jeu en pause. Donc on va laisser ça comme ça en espérant que personne ne vienne nous parler. Car j'ai vraiment tourné. Allez hop, je me suis dit, bon, j'ai vu dans les commentaires qu'il y en a un qui veut que je fasse des vidéos. Je crois même qu'il n'y en a pas qu'un seul. Donc allez hop, je vous fais la vidéo de Crysis. Puis je me suis lancé comme ça. C'est si beau. Des unités navales arrivent du Japon. La flotte sera là dans l'heure. Je vais leur demander de repartir. Non. Nous savons comment les battre maintenant. On va les affronter. Ah, c'était pas la fin du jeu? Et alors? Vous allez pas le croire, mon pote. C'est prophète. Il est en vie? Je crois bien qu'il est dans la sphère. Et en pleine forme, on dirait. Verrouillez sa position. On y retourne. Ah, je croyais que c'était la fin du jeu. Bon, on va aller dans la sphère et on va essayer de retrouver Prophète. Et en fait, c'est Prophète le vrai boss de fin. Oh. Franchement, quand j'ai vu la tronche du vaisseau spatial, je me suis dit c'était ça la fin, non? Pas ça? Les gars, qu'est-ce qui va se passer? Ah, j'ai mon curseur normal. Oui, donc si, en fait, c'était bien la fin. Donc, je vais pas vous passer tout le générique, hein, vous connaissez... Enfin, vous connaissez, non, mais bon, vous avez vu ce que ça donne avec Minecraft, hein, donc... Donc moi, sur ce, je vais vous souhaiter donc un bon après-midi, ou une bonne soirée, ou une bonne journée, ça dépend à laquelle vous regardez cette vidéo, et à l'heure à laquelle je vais poster. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos, j'espère que ces petites vidéos de Crysis vous auront plu. Moi en tout cas ça va, je me suis plutôt bien amusé. C'est assez chaud de commenter un FPS, hein, faut le savoir. Hein. Donc si vous trouvez que j'ai mal joué, c'est normal. Si vous trouvez que j'ai bien joué, c'est pas normal. Mais sinon, bah laissez des commentaires, hein, aimez la vidéo si vous aimez, ajoutez en favori, abonnez-vous, faites ce que vous voulez. De toute façon, je suis pas là pour vous obliger. Et moi je vous dis donc à plus pour une prochaine vidéo.